19h22, nous sommes en direct. Nous allons retrouver Anna Britz qui est en direct depuis le Wacken. Anna Britz qui a peut-être une bonne nouvelle pour Max Huisse qui est le président des fans de Sébastien Loeb. Il y en a sur place, sur site, Anna, c'est bien ça? Oui, il y a beaucoup de fans ici, exactement. Là derrière moi, d'ailleurs, ça vient juste de se finir la soirée. Il y a quelques instants, Sébastien Ogier était sur le podium. Il y avait aussi un feu d'artifice. Donc voilà, c'est le lancement officiel de ce rallye de France-Alsace. Et donc oui, effectivement, cet après-midi, on a pu rencontrer de nombreux fans de rallye. Ils s'étaient déplacés par centaines pour venir avoir des autographes de leurs pilotes préférés. Et même certains étaient venus dès 10h du matin. Il y a des Belges, des Finlandais, des Anglais, des Allemands qui étaient présents. On en a rencontré deux. Voilà, je vous laisse les écouter. Alors, vu que vous venez des Vosges, je suppose que le rallye, c'est pas la première fois que vous venez. Est-ce que ce rallye vous plaît en général? Qu'est-ce que vous aimez? Oui, ça va faire 19 ans que je fais du rallye. Les routes me plaisent parce qu'elles sont assez techniques. Il est assez proche donc de la maison. C'est relativement bien organisé. C'est gratuit aussi. C'est un avantage par rapport aux autres rallyes. Donc, c'est pour ça qu'on se déplace ici. Et est-ce que vous avez des spéciales? Enfin, vous avez déjà fait votre programme, j'imagine, lesquels vous attendez particulièrement? Spéciale de Ormont dans les Vosges, hein, qui a fort kilométrage, très technique. Là, il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Et une nouvelle spéciale donc du dimanche, qui sont donc nouvelles en programme et qui sont également très techniques, où le rallye pourrait jouer là, comme les années précédentes et dans d'autres rallyes. Alors, question un peu de base, mais l'an dernier, enfin depuis 4 ans forcément, Sébastien Loeb ramenait beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que le rallye sans lui, bon, c'est pareil, ou c'est quoi l'après-Loeb? L'après-Loeb, elle est incarnée par Ogier, qui prend vraiment sa place. Bon, après, c'est sûr qu'il n'y a plus tous les fans de Loeb, les fanatiques sont plus forcément là, mais le rallye continue de vivre, hein. Il y a encore du monde de présent, le tour spécial, il y aura encore du monde qui a attendu, donc il y a quand même un après-Loeb qui est là. Je vois la casquette Sébastien Loeb, le rallye sans lui, c'est comment? Bien sûr, il nous manque un peu Sébastien, mais on a un autre Seb qui le remplace, quoi. Mais... Alors, dernière question, vous savez déjà sur quel spécial vous allez aller? Vous avez déjà fait votre programme, toutes? Oui. Ouais, demain, on va à Charbonnières. Après-demain, on va à Munster. Et dimanche, du côté de Saverne.